Coco Chanel, Salvador Dali, Winston Churchill, Charlie Chaplin ou encore Suzanne Lenglen. Dans les années 20, toutes ces célébrités ont arpenté les couloirs du château de Woolsack à Mimizan, invité par le duc de Westminster. Cette année, pour les journées du patrimoine, la commune a décidé d'organiser une grande reconstitution historique et costumée. Un grand soleil et une ambiance estivale. Un grand soleil et une ambiance estivale pour cette journée de fête sur le lac d'Oreillan. Quel cadre est plus charmant et idyllique que celui du château de Woolsack ? Ce charmant pavillon de chasse situé sur la commune de Mimizan a été construit en 1911 sur les bords du lac par Hughes Richard Arthur Grosvenor, plus connu sous le sobriquet de duc de Westminster. Le château est la réplique de la demeure de Rudyard Kipling, l'auteur du Livre de la Jungle. Le duc de Westminster est réputé être l'homme le plus riche d'Angleterre. Il est considéré comme le gentleman le plus brillant du Royaume-Uni, grâce à ses réceptions fastueuses, ses grandes chasses et ses nombreux voyages. Il est venu faire une chasse, et la légende veut qu'il ait tué un sanglier à cet endroit-là, à l'endroit où il a fait construire le château. Bon, alors, est-ce une légende ou pas? De toute façon, moi, comme je dis, la légende, moi, ça me va bien, c'est une belle histoire, donc c'est très bien, il a fait construire ce château. Donc, c'est un pavillon de chasse qui lui permettait de venir très régulièrement. Depuis, il arrivait par la Bouère. De la Bouère, après, il y avait un chauffeur d'Orient qui venait le chercher avec son véhicule, enfin, avec le véhicule du banc, c'était une Rolls à l'époque, et qui le véhiculait jusqu'au ponton. Et du ponton, il prenait son bateau, donc où il y avait le pilote qui l'attendait, et qui l'amenait au château. Rendez-vous est donné à l'église d'Orient. Faisons tout de suite les présentations. Gabrielle Chanel, dite Coco Chanel, créatrice de mode et grande couturière française. Célèbre pour ses créations de haute couture, ainsi que pour les parfums portant son nom. Elle est à l'origine de la maison Chanel, symbole de l'élégance française. Depuis 1924, Coco Chanel est une intime du duc et visiteuse privilégiée du château où elle vient se ressourcer. Charles Spencer Chaplin, dit Charlie Chaplin, acteur, réalisateur, scénariste, producteur et compositeur britannique. N'en jetez plus. L'idole du cinéma muet grâce à son personnage de Charlot. Il est actuellement l'une des personnalités les plus connues au monde. Pour moi, c'est comme un contrat pour faire les bêtises toute la journée. Et avec le déguisement, c'est comme ça. Et j'adore ça. C'est Charlie Chaplin. Et c'est lui qui fait les bêtises tout le temps. Donc pour les gens de Mimizan qui est venu ici pour une journée, il faut donner un peu de spectacle. Parmi ses derniers longs métrages figurent Le Kid, La Rue est vers l'or ou encore Les Temps modernes. Alors que voici maintenant un personnage haut en couleur, l'excentrique Salvador Dali. Génial touche à tout. Peintre, sculpteur, graveur, scénariste et écrivain catalan, il est considéré comme l'un des principaux représentants du surréalisme et comme l'un des plus célèbres peintres du XXe siècle. On peut être un grand homme d'État et s'octroyer du bon temps au château de Woolsack. La preuve, Winston Leonard Spencer Churchill, l'un des grands hommes politiques du XXe siècle. C'est un héros et quelqu'un tout le monde connaisse. Un artiste également. Ses dons d'écriture seront couronnés à la fin de sa vie par le prix Nobel de littérature. Il est également un peintre estimé. Ami intime du duc, il fait de fréquentes visites à Woolsack, seul ou en famille, et y installe parfois son chevalet pour peindre. Des douzaines de peinteurs ici. Et, il aimait bien les couleurs de le pays landaise. Il réalisera une vingtaine de toiles représentant Mimizan et ses alentours. Suzanne Lenglen, joueuse de tennis française, surnommée la Divine. Elle est la première star internationale du tennis féminin. Elle possède des records d'un autre temps. Elle est ici accompagnée de son ramasseur de balles préféré. On se croirait au paradis, la forêt, celle qui ne finit jamais. La 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 la.
une promenade romantique en barque. D'une superficie de 331 hectares, le lac d'Oreillan fait partie des grands lacs landais. Il est alimenté par les ruisseaux d'Escourse et reçoit aussi les eaux de tous les lacs du nord des Landes. C'est sur les berges de Mimizan que s'élève le château Woolsack. Une jolie promenade fleurie a été aménagée. Un cadre naturel exceptionnel au milieu de la forêt des Landes de Gascogne et au cœur du pays de Borne. Le lac est aménagé pour les activités de détente comme pour la pratique d'activités nautiques. Ah oui! Les grands de ce monde sont désormais rassemblés devant l'escalier du château avec une animation de chasse à cours. C'est parti pour la sonnaille au corps de chasse. La région, très giboyeuse, est peuplée de sangliers et chevreuils, permettant de belles parties de chasse à cours. Raison d'être du pavillon de Woolsack. Palombes, grives, ortolans, bécasses sont également très recherchés.